Alors je vais vous parler d'un endroit que vous connaissez bien. Vous y allez certainement régulièrement, peut-être même que vous y habitez. Et pourtant, c'est un endroit dans lequel il n'est pas facile de vivre. Cet endroit, c'est la ville. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'habiter en ville? Pourquoi il faut être résistant quand on habite en ville? Les villes, ça émet des gaz à effet de serre. Il y a de la pollution atmosphérique, il y a de la pollution lumineuse, il y a de la pollution sonore. Et donc, c'est pas facile de vivre en ville. Cette photo que j'ai prise l'année dernière, en Chine, ça montre à quel point ça peut être compliqué de vivre en ville. On pourrait se dire, c'est dommage de ne pas avoir pris une photo un jour où il faisait beau. En fait, ce jour-là, il faisait beau. Et donc, ce jour-là où il faisait beau, à Wuhan, petite bourgade de 10 millions d'habitants, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais l'agglo ne fait que 30 millions d'habitants, donc c'est normal que vous ne connaissiez pas. Ce jour-là, en fait, le soleil, il était là, comme un espèce de halo qui nous a gentiment passé dans le ciel. Et pourquoi on ne le voyait pas? Parce que la concentration de polluants a atteint des niveaux très importants. Nous, on a un seuil d'alerte à partir de 70 microgrammes par mètre cube. Les 70 microgrammes par mètre cube, c'est finalement le degré de poison à partir duquel on considère que là, il faut faire attention. Ce jour-là, on est aux alentours de 250-300. Mon record personnel en Chine, 450. Ce jour-là, on avait acheté des masques quand même. Le record en Chine, c'est parfois plus de 1000, parfois 1200. Pour vous rendre compte, il y a eu un jour où l'air était tellement pollué qu'il y a un immeuble qui a pris feu. Il était vide et en fait, personne s'en est aperçu parce qu'on ne pouvait pas distinguer la fumée de l'incendie de la pollution. Alors évidemment, on n'en est pas là. Mais en même temps, l'actualité de cette semaine, j'aurais pu prendre une photo similaire à Paris, à Lyon, à Bordeaux, avec un beau nuage de pollution. Et les territoires de demain, pour qu'ils soient résilients, il faut les imaginer, il faut les envisager, il faut les designer, pour qu'ils puissent offrir une résistance, une résilience, notamment au changement climatique qui s'opère. Alors, évidemment, les urbanistes, les architectes, les collectivités locales avec lesquelles on travaille, tous, on essaie de réfléchir, de se dire quelle solution on va pouvoir proposer. Donc déjà, on va regarder un peu ce qui se fait. Alors, il y a des solutions un petit peu folles. Il y a un artiste chinois qui s'appelle Wang Rengzeng qui s'est baladé avec son aspirateur. Il a aspiré l'air. Et puisqu'il a récupéré dans son air, il en a fait des briques. Il y a même un autre artiste qui en a fait des diamants. Mais bon, ça suffit pas. Il y a une designeuse hollandaise qui s'est dit on va filtrer l'air, c'est-à-dire on va mettre des grosses pompes qui vont filtrer l'air, on va enlever toutes ces particules et comme ça, on va dépolluer la ville. On a l'université de Calgary qui a imaginé des pièges aux gaz à effet de serre pour que la ville n'émette plus ces gaz à effet de serre et donc on va les piéger avant qu'ils soient partis. La municipalité de Pékin qui a connu l'année dernière 175 jours de très forte pollution, a, elle, imaginé des grands ventilateurs qui pourraient, comme ça, souffler la pollution et l'enlever de la ville. Alors nous, en France, on s'est dit, ces solutions, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ces solutions, elles consomment de l'énergie et elles vont finalement participer aux problèmes qu'elles vont engendrer. Alors évidemment, il y a une réflexion à avoir sur comment on baisse ces émissions, ces polluants, mais il y a aussi des outils. Et donc, on a cherché un outil qui soit finalement un outil de notre temps, low-tech, puisque l'impact des appareils électroniques est important, qui consomme peu ou pas d'énergie. Du coup, on a cherché un outil qui fonctionnait à l'énergie solaire et un peu d'eau. On s'est dit qu'il fallait que ce soit un outil déconnecté. Les smartphones, les mises à jour du firmware, tout ça, c'est trop compliqué, un outil déconnecté. Et puis on s'est dit, bon, c'est 2016, il faut également qu'on trouve un outil sans gluten. Alors cet outil, je ne l'ai pas amené avec moi, mais je vous propose de le voir en œuvre. Il est là. Alors est-ce que c'est la voiture qui va être électrique? Est-ce que c'est le smart grid qui va être caché sous la voirie et qu'on n'imagine pas? Non, vous l'avez compris, cet outil, il a toujours été là. Et en fait, on a oublié qu'il était là.
L'outil dont je veux parler, c'est évidemment cet arbre. Parce que cet arbre, aujourd'hui, les villes, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs le voient comme quelque chose d'ornemental. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le design d'un quartier, mais un arbre, c'est des ronds verts qu'on va poser comme ça sur AutoCAD. On va poser ces ronds verts pour qu'il y en ait un petit peu partout. Or, cet arbre, aujourd'hui, il faut dépasser sa fonction ornementale. C'est-à-dire que cet arbre-là, on n'en a pas conscience, mais il nous rend un maximum de services. Tout à l'heure, quand vous sortirez, avant de rentrer chez vous, vous vous poserez la question de cet arbre-là, que vous verrez, quelles sont les fonctions qu'il vous propose. Et ça, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services rendus par la nature. Et donc cet arbre, il a beaucoup d'atouts. Il stocke le carbone, il dépollue l'air, il aide à lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, le fait qu'en ville, il fait très chaud. Saviez-vous qu'un arbre, ça équivaut à 5 climatiseurs ? Cet arbre, il a même d'autres vertus qu'on n'imagine pas. Si jamais vous êtes malade, il y a une étude qui montre que si votre fenêtre donne sur un arbre, vous avez plus de chances de guérir. Il y a enfin une étude de chercheurs de l'Illinois qui montre que quand on plante des arbres dans la ville, ça baisse même la criminalité. Donc vraiment, ça dépasse le cadre qu'on connaît. Alors quand on évoque ça sur les projets sur lesquels on travaille, souvent les villes nous disent « oui, mais bon, ça coûte de l'argent, il faut les planter, il faut les entretenir, voilà, on a un contexte économique qui est compliqué, comment faire ?» Ben, la réponse, ben voilà. Quand j'investis 1 dollar dans un arbre, ça me rapporte 5,6 dollars. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la ville de New York. Alors imaginez si même les Américains nous disent que les arbres sont rentables, c'est vraiment qu'on peut y aller. Et donc c'est l'idée de se dire que ce qui est invisible apporte des services à la ville, apporte des services au territoire, et demain on va se servir de ces outils-là comme des outils pour rendre les territoires résilients. Et donc c'est vraiment important de changer de paradigme. Alors, que faire ? Ben évidemment, il faut planter des arbres. La ville de New York a associé ses citoyens pour planter 1 million d'arbres et a atteint ses objectifs 1 à 2 années avant l'objectif initial. Donc vous, il faut vous battre, parce que vous n'imaginez pas à quel point sur les projets d'urbanisme, il est tentant de supprimer les arbres. Les ingénieurs se disent, ben, on coupe l'arbre, on en remet un, c'est pareil, je suis ingénieur. Mais en fait, l'arbre mature, il a mis du temps à être complètement développé, à acquérir ses fonctions, et donc remplacer un arbre par un arbre, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc demain, on va concevoir les territoires, on va aller jusqu'à choisir les essences d'arbres en fonction des services qu'on veut offrir. On va choisir une essence qui va dépolluer à côté d'une rue. On va choisir une essence qui va particulièrement bien stocker le carbone. Ça ne nous privera pas de réfléchir à comment baisser nos émissions, mais en tout cas, c'est une façon de rendre à la nature sa place dans la ville. Alors pour vous, c'est pas facile de dire quel arbre. Mais on se trompe pas en plantant un arbre. Antoine, il est stressé. Vous imaginez, j'ai croisé Antoine, il est hyper stressé, ça va pas. Il est hyper stressé depuis une semaine. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il a merdé sur un projet, il a merdé. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a planté un arbre. Donc on se trompe pas. Parce qu'un arbre, le jour où il a atteint toute sa fin de vie, c'est-à-dire que même quand l'arbre il est en fin de vie, quand on n'a plus besoin de lui, on va pouvoir en faire plein de choses. On va pouvoir en faire du bois énergie, on va pouvoir en faire du bois de construction, on va valoriser l'ensemble de l'arbre. Donc on imagine bien utiliser l'arbre sur tout son cycle de vie. Et il faut aller chercher des endroits où planter des arbres, dans les parcs, les jardins, dans les rues, et réfléchir à ça. Il y a notamment une expérience en Amérique du Nord qui est vraiment très intéressante et qui a un nom assez rigolo. Ça s'appelle l'urbanisme par la neige. Alors c'est vrai que nous, avec le changement climatique, la neige, c'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'urbanisme par la neige ? Ben, c'est simplement que là-bas, quand il neige, ça permet de voir où les voitures passent. Quel est finalement l'endroit strictement nécessaire où elles ont besoin d'aller ? Et tous les endroits où la neige n'est pas dégagée, c'est finalement des endroits qu'on peut reconquérir. Et donc sur ces endroits qu'on peut reconquérir, on plante des arbres, on fait des pistes cyclables, on fait du mobilier urbain, on offre des terrasses pour les restaurateurs. Et finalement, on reprend de l'espace urbain au service de notre territoire. Je vais simplement vous demander d'imaginer qu'on est de retour au début des années 2000. Internet au débit commence à vraiment se développer. Le Wi-Fi arrive,
Et imaginez que les arbres diffusent le Wi-Fi. Il y en aurait combien des arbres ? Il y en aurait certainement même un dans la pièce pour que vous puissiez être sur vos smartphones, et moi aussi. Il y aurait tellement d'arbres plantés qu'on aurait certainement sauvé le climat, la biodiversité, les villes, et tout ça, ça serait magnifique. Malheureusement, ces arbres, ils ne diffusent pas le Wi-Fi. Ils produisent seulement l'oxygène dont on a besoin pour vivre. Merci.